On se retrouve pour un retour de course. On était enfin, mon cher était à faire les courses chez Lidl. Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve dans un retour de course avec mon assistant et l'assistant B qui se trouve là derrière avec son pyjama licorne. Vous voyez le. Et il y a notre assistant, mais il est en train de manger. Donc, oui, bébé. Allez, il va te donner un petit coup de la canette. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Vous aurez compris qu'on est samedi et que j'ai tout le monde autour de moi. Donc voilà, on a. Enfin, mon chéri est allé faire les courses au Lidl. On a décidé de changer notre principe et notre manière de faire les courses parce qu'on faisait les courses pour le mois entier. Et au final, on manquait de trucs. C'était un gros budget d'un coup et donc après, c'était un peu plus compliqué pour gérer la suite du mois. Et de plus, quand il fallait faire toutes les courses et ranger toutes les courses d'une famille nombreuse pour un mois, c'était. Donc on a décidé de refaire des courses sur 10 jours et c'est mon chéri qui va les faire simplement parce que déjà je suis enceinte et que ça ne me permet pas de faire les courses. Mais en plus de ça, comme ça je ne dois pas faire garder les enfants pour aller faire les courses. Voilà, c'est plus facile dans le quotidien. Donc on va commencer par la première chose, on a décidé de présenter quoi ? Les épices. Donc il y aura beaucoup d'épices de poulet parce que comme vous le savez majoritairement on mange énormément de poulet et de temps en temps de chipot mais ça... C'est majoritairement du poulet. Donc il a pris ce petit mélange-ci. Celui-là, je le connais déjà. C'est le mix mélange poulet. Ensuite, il a pris encore en poulet, je pense, le gros pot. Comme ceci. Voilà, épices à poulet, celui-ci. Voilà. Alors celui-là, je ne le connais pas de trop. Mais on va l'essayer. Il a pris du paprika pour le poulet. Il a pris de l'ail. Parce que moi, j'adore l'ail. Donc voilà. J'en mets déjà, mais je n'avais pas en poudre. Il a pris ben, le curry hein, pour faire couler poulet curry. Il a repris du poivre noir. Et normalement, il y avait du poivre noir. Il n'y en a plus. Non, c'est bon. Et il avait repris du poivre noir pour simplement saler et poivrer la viande. Ensuite, il a repris cette bouteille. Si vous avez suivi mon vlog, vous la connaissez, je t'en ai parlé. C'est pas bon. C'est ça parce qu'il y a des enfants. Pas du tout. Hein. Non mais c'est hyper bon, c'est le start petit déjeuner à boire. Moi le matin quand je me lève à 6h15 du matin quand les enfants vont à l'école, j'ai vraiment du mal à manger du pain, manger des féculents, manger du tronc. Il faut qu'il soit 9h30, 10h pour que je commence à penser à manger peut-être une banane avec du gervais. Donc du coup il m'a pris cela, il m'en a pris je sais pas combien ce qu'il a trouvé, il m'a dit donc j'en vois 4. Bon, à mon avis 4 ou 5, il m'en a pris. Donc voilà, il a pris ce qu'il trouvait parce que honnêtement, voilà. Il s'est pris, ça c'est pour lui et les enfants, des grosses galettes de biche. Vous avez compris, nous sommes belges. Ensuite, tu vas me donner ce que tu veux. Il a repris des petits cakes comme ça, voilà, au chocolat et aux fraises. Alors, j'ai la montre bien, je prends ça pour aller à l'école, donc les autres enfants aussi. On s'est dit pourquoi pas, je mets tout où je peux. Il a repris l'essentiel de notre vie, le cappuccino, si on n'a pas ça, on tue nos enfants. C'est sérieux, c'est... Il a repris des petits yogourts comme ça pour les enfants. D'ailleurs, j'ai retrouvé le carton vide dans mon frigo. Oh, c'est lui le responsable. Il le sait. Donc, voilà, voilà. Ensuite, il m'a repris deux paquets comme ceci de noix, ouais, vous savez. Je suis une mangeuse compulsive de noix. Et je les mets dans ma salade, je les mets dans mes carottes cartonnées, je les mets partout, j'ai pas vraiment. Ensuite, il a repris trois lasagnes. Donc ça, c'est pour pas un seul souper. Vu le nombre qu'on est. On avait bien besoin de trois grosses lasagnes pour un souper. Quand j'ai pas envie de faire à manger, en fait, je ne vais pas faire de lasagne. Alors, ça, je sais pas combien il y en a. 4 packs de 12 bouteilles d'eau. Voilà, il a repris 4 packs de 12 petites bouteilles d'eau comme ça, comme vous savez. C'est pour ça que je compte à sa place. Oui, voilà, je suis nulle en maths. Il a repris donc, d'ailleurs, j'en ai pris une. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, du coup, il a repris parce que c'est les enfants, ils en prennent une chacun après à l'école tous les jours. Donc, imaginez que ça fait 3 bouteilles.
4 de temps en temps, parce qu'on dit qu'elle n'en prend pas toujours, donc mais on fait au moins 4 bouteilles par jour de pitot. Et de temps en temps, moi j'en prends une, tu mets ça à côté de moi. Parce que j'ai pour ça que je me sens. Donc c'est pour ça que ça part très très vite. Quoi? C'est pour ça que le sac est ouvert. Alors maintenant, de mon côté, il n'y a presque plus rien à part d'avoir pas la boisson. Alors il y a le sourire, le shampoo aussi. D'abord la menace. D'abord le shampoing. Voilà, il a repris, mais ça vous le connaissez tous dans tous les tours de course. Maintenant, le Naturez Beauty au miel. Angie l'adore et j'avoue que je me lave les cheveux de temps en temps avec, j'aime bien aussi. Au niveau gel douche, il avait repris le Tahiti Coco, il a repris le pot de chat. Donc voilà, devant moi il y a du Dreft pour faire la vaisselle. Alors on fait pas spécialement la vaisselle, mais je pense que je lave juste pour que le biberon d'Angie. Donc du coup, on a repris du Dreft. On a repris deux pots de compote de pommes, ça c'est pour aller avec le poulet, hein. Pour les compotes c'est habituel. Il a repris du riz, ça aussi, hein, vous savez, ça fait que non, je fais assez régulièrement pour le souper. Ensuite, il a repris de la mayonnaise, donc il a repris deux gros pots de mayonnaise comme ça. Mes enfants ne mangent pas de beurre du tout. Il ne mange que de la mayonnaise, donc il n'y a pas de beurre chez moi. Donc il y a l'huile d'olive et ils ne mangent que de la mayonnaise sur leur tartine avec leur fromage, leur jambon, leur carotte râpée. Enfin, quand je fais des trucs, c'est toujours comme ça. Ensuite, il a repris 5 pots de rhum crème fraîche comme ceci. Vous la connaissez aussi hein, dans mes tours de course à chaque fois. J'utilise pour mettre dans les pâtes, j'utilise pour mettre... sur les légumes, j'utilise pour mettre partout. C'est une crème qui se mange très facilement quand vous devez faire une petite chantilly pour accompagner des crêpes ou des trucs comme ça. Elles se mangent très, très facilement. Alors ensuite, au niveau des chips, il a repris des Mamma Mia's. Il a repris des petits chips au... Et il a repris les préférés de Delicio. Mais... Des petits hamburgers. C'est ma fille. C'est ma fille qui a volé la canette de son frère. Ensuite, apparemment, il m'a repris un pack de canettes qu'on est en train de me voler gracieusement, de canettes Coca Zéro, parce que moi je bois du zéro le soir en regardant mes émissions sur mon téléphone. Là, donc, on travaille en rajout. Voilà. Il a repris 6 bouteilles de la boisson du diable, vous la connaissez tous, le Coca. Il a repris 6 bouteilles, excusez-moi, je suis enceinte, donc je suis assise comme une grosse femme. Il a repris 6 bouteilles de citronnade. Il a repris 6 bouteilles de jus d'orange pour le matin. Et puis au niveau de la lessive, hop, il reste une celle-là, après je crois. Il a repris ça, il a repris 2 bidons de lessive. Alors il a changé, il a pris au savon de Marseille. Parce que déjà ma fille Zoé a une irritation. Et donc le médecin, quand on avait déjà été l'autre fois, nous avait dit que c'était peut-être à cause de la lessive. Et effectivement, ça ne s'arrange pas en fait. Dès qu'elle a un petit frottement avec un linge, oh, je suis fatiguée, moi je pense au bébé, avec un linge. Et elle a de l'eczéma. Et comme en plus je vais bientôt faire la valise de maternité, je vais relaver donc les habits que j'ai achetés. Et donc du coup il m'a pris au savon de Marseille pour que ça soit plus doux aussi pour les vêtements du bébé. Et il reste le Nutella, puis après on va aller chercher la suite. Il y a 4 pots de Nutella. Comme vous savez, c'est pas bon du tout, mais il paraît que voilà. Et on a repris 5 pots. On le congèle. Donc voilà, après on va aller chercher la suite. Donc on se retrouve pour la partie numéro 2 avec tout ce qui est viande surgelée. Voilà, il n'y a pas grand chose, hein, mais bon. Voilà. Alors, on a repris des fricadins, comme je vous l'ai dit, je voulais préciser, nous sommes belges. On a repris un gros paquet de French fries, comme disent les autres, de frites, quand j'ai la flemme. Et avec 4 enfants enceintes. Comme ça, j'ai replongé tout. Ensuite, on a pris 2 paquets d'œufs, carottes râpées. Je suis lavée la pain, comme dirait ma maman. Et elle t'a apporté des glutes. Non, c'est pas ça. Je mange quasiment tous les jours midi des carottes râpées avec des noix dedans. La vraie pile à pain. On a repris 2 paquets de salades. Je prends celle-là simplement parce que je suis enceinte, pas immunisée contre la toxoplasmose, donc tout ce qui est en contact avec la terre, j'ai vite, donc je prends ça. Fantastique. Hey, on est sur vidéo là. J'ai eu 2 paquets comme ceci de chipolata. 2 paquets, ça fait à peu près un repas parce qu'ils en mangent quand même pas mal. Il y avait 2 paquets de grosses saucisses comme ceci. La saucisse de poulet, je précise. Hein. Là, je suis pas la tapin, mais là, c'était de la saucisse de poulet. Il y a 4 paquets de blanc de poulet, comme ceci. Il y a 2 paquets de saumon, 2 paquets d'emmental, 2 paquets, donc 4 paquets de blanc de poulet. Donc, c'est la viande, et, enfin, c'est à peu près pour 10 jours.
en sachant que ben avec un paquet comme ceci, 600 grammes, je fais un petit souper sans souci. On n'est pas des gros mangeurs de viande. Et alors on a repris les tomates, ça vous avez jamais vu dans mes tours de course parce que je les prends en dés surgelés. Moi je mange pas de tomates frites parce que je suis allergique. Mais ma fille qui est là derrière, qui est en école spécialisée, fait tous les 15 jours, ils font un repas eux-mêmes, ça leur apprend pas la dextérité, etc. Et donc du coup cette fois-ci elle doit amener des tomates. Donc voilà, je lui ai pris un pack de tomates. Mon chéri avait pris deux éclairs au chocolat, mais évidemment ils ont été mangés ce matin pour le petit déjeuner. Et des petits merveilleux. Et la dernière chose qui reste, c'est là. Il a repris ceci, du fromage de chèvre. J'adore le fromage de chèvre, donc voilà. Et après il a repris 5 pots, ils sont là-bas. 5 pots de yogourt au miel. Et alors j'étais vérifiée pour les petites bouteilles, il y en a 8. Donc voilà, voilà, voilà. Je crois que je vous ai tout montré, hein. On n'a rien oublié. Donc c'était des courses. D'aller chercher ce qu'on avait oublié, c'est les sandwichs mous. Il a pris deux paquets de sandwichs mous comme ceci. Les enfants aiment bien ça pour aller à l'école. Je leur mets du jambon, de la mayonnaise, un peu de carottes râpées ou de la salade. Et monsieur, là, ici, il aime bien ça. Donc voilà, non, là, c'est fini, fini, fini. Je vous ai tout montré. Donc, c'est des courses pour 10, 12 jours faciles. En sachant que tout ce qui est légumes surgelés, je les prends chez Bofrost et que je vous les présente bien souvent dans le vlog. Quand Bofrost passe une fois par mois, je prends tous mes légumes surgelés là-bas. Donc voilà, voilà, voilà. J'espère que ce retour de course vous aura plu. C'était un petit peu mouvementé. Je vous fais de gros, 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 gros bisous. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, sur Facebook. Tu vois, ça se masque ici. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification, à mettre un commentaire, un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez voir les autres vidéos parce qu'il y a des retours de course, des hauls, des vidéos grossesses, des vlogs familles nombreuses, des vidéos sur les handicaps ou le commentaire sur les enfants différents, etc. Donc n'hésitez pas, voilà. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente soirée, une excellente journée sur l'heure ou le jour où vous regarderez cette vidéo. Un excellent lundi. Lundi. Ça, si vous le regardez le dimanche, vous avez un excellent lundi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Allez.